Regardez tous ces livres. C'est merveilleux, une bibliothèque. Avec chacun de ces titres, je peux rencontrer des personnages extraordinaires. Voyager vers des destinations exotiques. Me retrouver dans des situations incongrues. Vivre des aventures inimaginables. Tenez, prenez ce livre par exemple. L'amant de Patagonie d'Isabelle Autissier aux éditions Grasset. Je suis sûre qu'un prisonnier enfermé dans sa cellule peut facilement oublier les barreaux et se retrouver embarqué par Isabelle Autissier dans les étendues sauvages et glacées de Patagonie. Mais non, mais non, mais je vous dis que je n'ai pas volé ce livre! Je vous dis que c'est une erreur! Allez, au tour pendant 24 heures, ça vous calmera! Avec un livre, on peut attendre n'importe où. On ne s'ennuie jamais. On voyage dans le temps, dans l'espace. On rencontre des personnages variés, contemporains, historiques et même des extraterrestres. On peut vivre des aventures inimaginables. La prisonnière a disparu. Coucou, je suis là. J'arrive de Patagonie. Il faisait pas chaud, hein? Mais alors, c'était beau. Et puis j'ai été le témoin d'une histoire d'amour formidable. Oh, alors, qu'est-ce que c'était bien. Un bon conseil. Ayez toujours un livre avec vous. Et où que vous soyez, vous ne vous ennuierez jamais. Vous ferez des voyages surprenants. Vous verrez, la lecture, c'est la liberté.